tout le monde, c'est Louis Cabral et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma dernière création. Ouais, bon bah c'est un bateau quoi, comme d'hab. Mais pas d'un. Y arriver? Ouais, voilà. Celui-ci est spécial vu que, comme vous pouvez l'apercevoir, vu que je m'en approche maintenant, ses voiles sont en diagonale. Enfin, ça se voit pas trop là, là ça se voit. Ces voiles sont en diagonale et ces haubans le sont aussi. Bon bah voilà, c'est un bateau que je travaille depuis 6 mois mais que j'avais abandonné parce que j'avais vraiment pas de skill pour faire des voiles en diagonale. Bon, je vous avoue que là ça rend pas très bien non plus. Peut-être que je l'enlise celle-ci aussi d'ailleurs. Et voilà, bon bah c'était juste un bateau inspiré sur un coup de tête. Au début je voulais faire un gigantesque bateau, je sais pas si vous vous souvenez de. Il y a un bateau par là-bas. Que j'avais fait qui s'appelle. J'ai oublié le nom du bateau, ça va le faire. Ah, c'est un grand bateau tout rouge et tout là. C'est. Oh, petite coupure, vous avez rien vu. Ouais, bref, je disais, c'est le Royal Ship que j'avais construit. Ces deux bateaux, j'avais commencé leur coque en même temps. Si vous voyez pas où est le Royal Ship, je mettrai une annotation avec le lien vers la vidéo, comme tout le monde le fait. Et oui, j'avais commencé leur coque en même temps, sauf qu'ils avaient tous les deux une coque différente. Quoi qu'on peut remarquer qu'il y a des petites ressemblances vers l'arrière. Mais j'étais parti à l'origine sur celui-là, sur un bateau chinois. Je sais pas, j'avais envie de faire un truc chinois, un truc qui n'existera jamais, qui n'a jamais existé en Chine. Alors vous allez me dire pourquoi tu le dis qu'il est chinois. Non, mais je dis qu'il est chinois par rapport à son style. Si on remarque sa coque, enfin, même globalement, j'ai l'impression qu'il a une allure de truc. Comment ça s'appelle ces bateaux chinois? Oh, j'en perds mes mots. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle. Enfin, si vous voyez pas, tant pis pour vous, vous êtes des incultes. Je le suis aussi puisque je m'en souviens pas, mais voilà. Et donc je l'ai européanisé. Je sais pas si ça se dit, bon bref, je lui ai donné un style européen. Je lui ai foutu 4 mâts. Et ou 5, ça dépend. Vous comptez ce dernier qui est le mât de Beaupré si je me trompe pas. La pluie. Quoi de neuf de plus à dire? Ah, je ne ferai sûrement pas de cinématique dessus vu que j'ai pas Cam Studio. Enfin c'est pas pour l'instant en tout cas vu que j'ai pas Cam Studio vu que je suis en 1.5 et que Cam Studio n'est pas encore passé pour la 1.1. Enfin, il a pas été mis à jour. Et sinon, j'ai pas encore donné de nom à ce bateau et en y réfléchissant un peu, je me dis que je vais vous laisser le choix de le donner vous-même. En fait, je vais pas lui donner de nom, je vais vous laisser le nommer comme vous le voulez. Moi, honnêtement, il a un style chinois, après, vous pouvez le nommer comme vous voulez, je sais pas. Bon, évitez de le nommer Jackie Chan, hein, gros cliché, c'était nul comme blague. Je vais vous laisser là-dessus pour que vous partiez sur un mauvais aperçu de moi maintenant. Non, mais... Voilà quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine, comme dirais-je. See ya.